À l'heure où commencent à se gercer les doigts roses de l'aurore, je montais tel un dard rapide dans un autobus à la puissante stature et aux yeux de vache de la ligne S au trajet sinueux. Je remarquai, avec la précision et l'acuité de l'Indien sur le sentier de la guerre, la présence d'un jeune homme dont le col était plus long, celui de la girafe aux pieds rapides, et dont le chapeau de feutre mou fendu s'ornait d'une tresse, tel le héros d'un exercice de style. La funeste discorde au sein de lui vint de sa bouche empressée par un néant de dentifrice. La discorde, dis-je, vint souffler son virus malin entre ce jeune homme au col de girafe et à la tresse autour du chapeau et un voyageur à la mine indécise et farineuse. Celui-là s'adressa à ses termes à celui-ci. « Dites-moi, méchant homme, on dirait que vous faites exprès de me marcher sur les pieds. » Ayant dit ces mots, le jeune homme au col de girafe et à la tresse autour du chapeau s'alla vite asseoir. Plus tard, dans la cour de Rome aux majestueuses proportions, j'aperçus de nouveau le jeune homme au cou de girafe et à la tresse autour du chapeau, accompagné d'un camarade arbitre des élégances, qui proférait cette critique que je pus entendre de mon oreille agile. Critique adressée au vêtement le plus extérieur du jeune homme, au col de girafe et à la tresse autour du chapeau. Tu devrais en diminuer les chancrures par l'addition ou l'exhaussement d'un bouton à la périphérie circulaire.